dark side. I wanna be your left hand man. Salut tout le monde, ça va bien? Ben oui, j'ai encore la voix maganée. Ça va s'arranger. En fait, bon midi, hein, parce qu'il est 11h47. Donc, on est présentement mardi. Donc, c'est ma première journée seule avec ma petite fille à la maison. Mais demain, ça va être la journée que je trouvais peut-être un petit peu difficile. Parce que la journée, je vais être seule avec les trois enfants à la maison. Mais ce matin, je me suis réveillée à 6h. Ben, en fait, je me suis réveillée à 5h30 parce qu'il s'est réveillé à 5h30 pour boire. Puis elle s'est rendormie, mais moi j'avais mon cadran à 6h pour préparer les garçons. En fait, parce que Anthony devait aller les porter comme à 7h à la garderie, à l'ouverture, parce que lui après il était en stage. Donc il fallait qu'il arrive comme pas mal à l'ouverture pour pouvoir avoir le temps de pas être pressé pour aller à son stage. Fait que c'est ça. Dans le fond, comme lui il faut qu'il se prépare et tout, ben il voulait pas que je me lève. Mais j'ai quand même proposé que je vais me lever puis que je vais préparer les enfants. Comme ça, il peut prendre ça plus relax, genre. Puis prendre sa douche, puis se préparer. Fait que c'est ça. Je me suis levée. Je me suis recouchée à 7h. Cette nuit, ça a été comme pas si pire. Elle s'est réveillée aux 2h30 pour boire. Mais elle se rendort. Tu sais, elle boit comme 10 minutes. Max, puis elle se rendort tout de suite. C'est juste qu'à chaque fois, elle fait caca. Fait que, genre, j'ai changé la couche, je la donnais à boire, puis là, elle se rendormait, puis je l'entendais comme commencer à faire un autre caca. Mais genre, à chaque fois. Fait que c'est ça. Mais au moins, elle se rendormait pareil, même si je la nettoyais et tout, là. Fait que c'est ça. Je vous emporte dans notre journée, à moi et à Amanda. Je commence tard ma journée, mais c'est ça, j'ai comme vraiment relaxé dans le lit longtemps. Là, j'ai lissé mes cheveux. Je vous ai ma petite liste que j'ai à faire. Je me suis fait une liste, mais je me fais pas de stress. Anthony, il me dit comme, fais rien, genre, fais juste te reposer. Mais c'est ça, je me suis fait quand même une petite liste. Une longue liste. Mais on va voir qu'est-ce que je vais faire. Je me suis écrit laver les planchers, passer le jour qui s'en garderie. Puis là, il y avait juste comme une journée cette semaine à cause qu'hier c'était férié. Ben, j'aime ça laver les planchers en bas. Fait que si j'ai le temps, faut que j'appelle pour prendre mes rendez-vous à la maison de naissance pour comme le 2 semaines puis le 4 semaines pour moi et pour Amanda. Je voudrais ranger notre chambre parce que c'est. Je vous montrerai pas là, mais c'est vraiment le bordel. Genre, c'est la pièce que j'ai pas rangée depuis que j'ai accouché. Je veux changer notre lit parce que, il y a eu du régurgit. Puis là, hier, pendant la nuit, quand j'ai changé un caca, ben, il y a eu un petit peu de caca sur le lit. Donc, changer notre lit, laver les draps. J'ai 2 vlogs à éditer. Mais j'aimerais vraiment ça l'éditer parce que c'est le vlog de quand j'ai accouché. Fait que j'ai vraiment hâte, tu sais, de voir ça, là, les premières images que j'ai prises. Papier pour le RQAP. Parce que, le congé de maternité, moi c'est toujours compliqué ça, là. Comme j'ai dit plein de fois. Puis là, il manquait un papier que mon employeur m'a envoyé, que là, je dois mettre comme en ligne. Bref, ça. Déclarer la naissance pour la RQAP, mais aussi pour comme l'état civil, là. C'est ça. Donc, déclarer la naissance. Et je veux laver ses vêtements parce qu'il reste comme un pyjama. Ouais, elle a pas tant de pyjamas, puis dans les petites grandeurs, alors c'est ça, laver les vêtements, plier, dans le fond, hier Anthony, il a comme toute la ville est brassée pour moi, là. Il y en a comme, il a toute la ville est brassée, fait que je suis vraiment contente, mais là il faut que je plie les serviettes, je plie les vêtements des enfants, et je plie nos vêtements, mais en tout cas, nos vêtements en premier, parce que j'aimerais faire la chambre, alors voilà, elle se réveille tranquillement. Mais j'ai commencé en faisant notre chambre. Amanda est... Attendez. Elle est... Là. Comme vous pouvez voir. Fait que, tu sais, c'est tout taché un peu le lit, là. Fait qu'il faut vraiment que je change les draps. Et ça, c'est tout des vêtements propres. OK. Ça, c'est des vêtements propres aussi. C'est le bordel. Genre, là. Bon, là, OK. Il faut que j'aille jeter les couches de la nuit. C'était ma robe de chambre qui traîne. Je vais vous montrer comment je suis habillée.
tant qu'à faire. Fait que j'ai mis ma robe rose maternité, que tu sais, je peux allaiter, là. C'est à manches courtes, la noire. Fait que c'est ça. Mais elle est vraiment confortable. Je trouve que ça cache quand même un peu que, tu sais, je suis enflée de la bédaine, là. Ça fait pas longtemps que j'ai accouché. Si vous pouvez regarder, là. Après que je suis enceinte comme de 3 mois. Non, je sais pas. Ouais, c'est ça. Mais je trouve que ça cache un peu, là. Mais de devant, je trouve que ça paraît pas trop. C'est comme de côté, on dirait comme... C'est ça, que la banane est enflée. Mais bon, c'est la vie, hein. Je viens d'accoucher. Fait que j'ai vraiment pas de stress avec ça. Je suis vraiment confortable. Fait que c'est ça l'important. Bon, voici Amanda. Puis là, oui, le lit est tout taché. Fait que je l'ai habillée, je l'ai allaitée. Ça, c'est un... genre 0-1 mois. C'est quand même grand pour vrai. Mais pourtant... Et longue, regardez. Hey, ouais, c'est ça. Puis ça aussi, c'est un 0-1 mois. C'est du Zara. Ouais. Oh, j'aime tellement ça l'habiller. Puis ensuite, elle a un petit cache-couche que ma mère avait donné qui est quand même très grand. C'est un 0-3 mois, là. Allô, bébé! Elle a tellement... pour vrai, elle a quand même beaucoup de cheveux, là. Mais c'est... Jaden, il était vraiment pareil, puis il avait perdu tous ses cheveux, puis il était même plus foncé que ça. C'est fou, quand même. Ouais. Fait que... Allô, Amanda? Allô? Là, on va descendre, parce que il est genre midi 40, puis j'ai rien mangé encore. Ouais, quand je me suis levée avec les garçons ce matin, je me suis fait une moitié de muffin anglais. Au creton. Mais, c'est ça, dans le fond, j'ai ramassé tous nos vêtements, toutes les serviettes. Fait que ça, c'est fait. Puis j'ai trouvé mon petit papier que je dois mettre au RQAP, là. Fait que je vais descendre en bas, je vais faire ça en bas. Puis je vais manger. Je commence à avoir faim. Je viens de m'installer ici. Je viens de remettre Amanda ici, mais je pense que non, elle voudra pas. Fait que je vais l'allaiter encore. Puis, je suis trop contente, je pensais pas qu'il me restait un poulet, mais là il est pas mélangé rien, là. Je vais le mélanger. Un poulet General Tao de Cook It, mais il m'en restait un, fait que je vais dîner ça. Puis il faut que je finisse le restant de crevettes qu'on avait acheté au Costco l'autre jour, parce que sinon elles seront plus bonnes. On est rendu 3h, puis je suis restée, j'ai endormi Amanda sur, je l'ai allaitée, puis elle s'est comme endormie sur moi, et je suis restée avec elle sur moi pendant... tout ce temps-là. Sauf que là, ça c'est à la vie, là. Sauf que j'ai édité mon blog en même temps. Mais oh, ça fait tellement drôle. Un petit bébé tout petit sur soi, là. Fait que là, je l'ai déposé. J'ai fini d'éditer mon blog. Et en passant, j'utilise mes 2 coussins d'allaitement. Dans le fond, lui, c'est le coussin, etc., qui est vraiment énorme. Okay? J'ai le Mavic, l'autre. Puis l'autre, je le laisse en haut. Dans le fond, j'allaite en haut avec l'autre, puis en bas avec lui. Mais lui, il est comme vraiment très, très grand, là. C'est ça. Fait que j'utilise les 2. Puis, là, c'est ça. Je l'ai déposé juste là. Moi, je suis juste à côté, là, de toute façon. J'ai édité mon vlog. Fait que là, ça exporte. Mais là, je voulais vous montrer les repas Cook It que j'ai pris pour cette semaine. Puis là, dans le fond, il nous en restait 2 de la semaine passée. Parce que, j'ai accouché... C'est dans mercredi à jeudi. Fait que c'est ça. Il en reste 2. On avait gelé la viande pour pas la perdre. Puis il y a un repas que c'était pas de viande. Fait qu'on va manger ça ce soir. C'est les penne primavera qu'on va manger ce soir. Puis on avait le burger de burger gourmet au bison. Qu'on a gelé la viande. Tu sais, qu'on mangera demain, dans le fond. Hein. Puis pour cette semaine, tu sais, je savais que c'était ma date prévue d'accouchement. Fait que j'ai pris 4 recettes. Il y avait tellement des bons repas, là. Je capote. Fait que, bol écrol déconstruit à l'agneau. Ça a l'air tellement bon. J'ai pris bavette et beurre de basilic. Avec une salade. J'ai pris les fettuccini à la saucisse italienne. Parce que les pâtes, c'est tout le temps gagnant avec nos enfants. Puis j'ai pris, la poutine décadente aux champignons sauvages. Moi, dans ma partition, je ne mettrais pas de champignons. Mais ça avait l'air vraiment bon. Fait que là, j'ai mon énorme boîte. Puis ils m'ont mis une surprise. Fait qu'ils m'ont mis 2 sacs de bonbons. Je suis vraiment contente. C'est vraiment le fun. Bon, tout le monde y est présentement. Je peux pas trop bouger. Elle est là. Il est présentement 4h20. Anthony, il arrive
super bientôt, là, peut-être dans moins de 5 minutes avec les garçons. Il est tout endormi. Je viens de lui redonner du lait, mais je l'ai changé, puis c'est ça. Un petit peu réveillé, là. Mais ouais, on a décidé de faire un spécial et d'aller à la crèmerie, genre notre première crèmerie de l'année, là, à la crèmerie, comme projet chez nous. Puis c'est la première fois que, genre, Jaden, il va prendre quelque chose. Parce que Jaden, il est vraiment pas très dessert, genre. Fait que ça va être sa première crème glacée pour vrai, genre, à lui. Puis il m'a appris qu'on va y redonner aussi. Genre, je sais pas quoi, là, peut-être une crème molle dans un avec des bonbons, là. Bref, on a décidé de faire un spécial, même si c'est avant le souper. Ça nous tentait. Fait que, c'est ça. Ils ont passé une super belle journée à... Mon Dieu, ça va mal. À la garderie. Fait que je suis vraiment contente. Parce que quand ils les ont déposés, ben c'était dur. Mais tu sais, c'était un... Ça faisait comme longtemps qu'ils avaient pété, là, mardi passé, t'sais. Une semaine. Fait que c'est ça, mais ils ont passé les deux une belle journée, fait que je suis vraiment contente. Puis Jaden est en train de jouer dehors quand il est arrivé. Fait que voilà. Ouais, fait que moi j'attends qu'il arrive, puis je vais l'installer dans son banc après. J'ai eu le temps de faire mes petits papiers là, que j'avais à faire. Puis j'étais un petit peu frustrée, j'allais faire ma déclaration de naissance, puis il me manquait un papier, genre, avec le numéro. Fait que je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui t'a fait. J'ai appelé ma sage-femme, puis dans le fond, mais là, c'est parce qu'à 4 heures, genre, la maison de naissance, il y a personne, comme à l'accueil. Fait que j'ai laissé un message pour qu'il me donne mon numéro qu'il y a dessus, parce que sinon, je peux, comme, pas déclarer sa naissance. Fait que c'est ça. Ça va attendre à demain. Je voulais finir avec ça, mais c'est pas grave. J'aime tellement ça, l'habiller, là. C'est bon, les garçons? Wouh! C'est bon, Maverick, les bonbons? J'ai reçu deux colis, un de chez Lush que j'ai pas ouvert et un de La Penderie et La Petite Penderie. Fait que je vais ouvrir ça, c'est vraiment cute. Il a fait le souper, fait que c'est le plat cookie que je vous disais tantôt.